Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Barons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous adressons au Seigneur cette humble prière que tes serviteurs et servantes se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester docile à ta volonté et d'arriver sans encombre au fête de Pâques. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, du livre de l'Exode. Chapitre 32, les versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, vu que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis l'enfant à cet appel que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes » les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Il oublie le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Chan, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous, vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique?
Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Et c'est à mon sujet qu'il a écrit, mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après que le Christ Jésus nous ait dit que ce qu'il fait, ce qu'il a vu son Père faire, il nous dit encore ce matin que c'est le Père qui, à travers les œuvres qui lui permet d'accomplir, rend témoignage, lui rend témoignage. Mais c'est important, ce premier texte que nous avons entendu, tiré du livre du Deutéronome, qui, dans pour moi, du livre de l'Exode. La réalité est la même, c'est le peuple de Dieu qui marche à travers le désert et qui est sorti libéré par le Seigneur, et le Seigneur dit libéré par Moïse. Et voici que le peuple se retourne de Dieu. Et Moïse, en descendant de la colline du Sinaï, il a cette... C'est Dieu qui l'avise, qui lui dit, mais le peuple s'est détourné. Alors, Dieu veut punir le peuple, veut en finir. Ce Dieu qui déjà, avec Noé, avait promis de ne plus châtier le peuple à ce point. Et ce qui est intéressant, c'est, et qui doit être notre attitude, l'attitude de tous les baptisés, parce que par le baptême, nous sommes tous prêtres. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Moïse va intercéder pour le peuple, en faveur du peuple. Il va demander à Dieu de ne pas exterminer le peuple, en évoquant des arguments qu'il donnerait aux ennemis, penser que Dieu a libéré le peuple par méchanceté. Non, c'est par amour que Dieu nous a libérés, qu'il nous libère. Et il veut continuer à vivre dans une relation amoureuse avec chacun d'entre nous. Et c'est beau de voir comment est-ce que les prophètes comme Osée chantent cet amour que Dieu a pour son peuple. Et Moïse va recevoir du Seigneur l'intercession, qu'il soit exaucé et Dieu ne punira pas le peuple. Nous venons aujourd'hui de ceux qui intercèdent en faveur de leurs frères et de leurs sœurs. Et je voudrais que nous puissions porter dans notre prière ce matin tous ces hommes et femmes qui souvent parlent du bien de leurs frères, de leurs sœurs, sans les encourager à faire le mal, mais ils prennent position pour demander une supplique afin que la miséricorde et la grâce leur soient accordées. Et puissions-nous, puisque nous savons que les hommes et les femmes intercèdent pour nous, supplient le Seigneur pour nous, que nous puissions ainsi revenir au Seigneur de tout notre cœur et manifester ce retour au Seigneur de par des actes de charité qui manifestent, qui finalement donnent la preuve de notre témoignage, de l'amour que nous avons pour Dieu et pour nos prochains. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, sans l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité, ce qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il viendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans le bon, nous supplions, Seigneur, nous sortons de ce jour pour vos grâces et le bon Dieu. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice de zèle au vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. T'en priant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te faire une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en baissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie. Sanctifie les offrandes en répondant sur l'aide de l'Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous servons ta miséricorde. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grande union de charité avec le pape François, notre père l'archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi le moment là. Souviens-toi du chef Sarnège, Régis. Souviens-toi de l'abbé Florent Marie, l'abbé Noël Nguangui, l'abbé Hervé Zenda, l'abbé Chikwanje Sadou, l'abbé Mundunga Vilas, du père Innocent Zenda, Hubert Koudelanga, Léopold. De l'abbé Joseph Inongaïm. Hubert Punus, François. Hubert Emmanuel, François. L'abbé Grégoire Péouni. Et de tous nos autres frères et sœurs qui sont dans leur vie, dans l'espérance de la résurrection. Un Seigneur, allez recevoir ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les prêtres. Qu'ils puissent toujours, à la manière de Moïse, intercéder en faveur de se donner de fléchir le cœur de Dieu, ce Dieu plein de miséricorde, pour que se repente sur notre peuple de manière infinie les grâces divines. Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à ton peuple victoire sur l'ennemi. Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à ton peuple victoire sur l'ennemi. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, d'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplices dans le Dieu de cette paix conduit la vers l'unité parfaite, pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pitié de nous. Amen.
Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous.
Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et ta douce présence nous protège à tout jamais. Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. Ô Vierge du silence, donne-nous ta grande paix.